la votazione. En Italie, les députés ont adopté ce mardi une réforme de la Constitution aussi importante que symbolique, la réduction d'environ un tiers des parlementaires. Par 553 voix pour, 14 contre et 2 abstentions, les députés ont donc largement adopté cette mesure. Cette réduction du nombre de parlementaires sera appliquée à la fin de ce mandat, donc théoriquement en 2023. De 630 députés aujourd'hui, l'Italie passera à 400. Le nombre de sénateurs, lui, passera de 315 à 200. Cela fait donc une réduction d'environ un tiers. Les partisans de cette réforme affirment que cela va permettre au pays d'économiser environ 500 millions d'euros par législature. Cette mesure était une promesse électorale du mouvement 5 étoiles. Le chef de ce parti, Luigi Di Maio, en avait fait une condition sine qua non pour une alliance de gouvernement avec le Parti démocrate. Il s'est naturellement félicité du vote de ce mardi. Aux yeux des observateurs, cette réforme va obliger les partis à être plus sélectifs dans le choix de leurs candidats. Mais certains soulignent que cela risque justement de renforcer le caractère élitiste des parlementaires, alors que c'est précisément ce que dénoncent les partis anti-système comme le mouvement 5 étoiles.